Ouais, je bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Alors, tu vas pas me dire que dans cette nuit, tu n'as pas vu ce qui s'est passé? T'as pas passé une nuit blanche qui a été tachée de sang? Tu vas me dire que tu as bien dormi, que t'as fait des rêves et que t'as sucé ton petit pouce et que tu t'es réveillé le lendemain sans aucune difficulté? Sache que nous n'avons pas dormi à cause de cette violence qui était filmé, sponsorisé. On a eu le droit à de la castagne, des combats au sol, du sang, des effusions à droite, à gauche. L'UFC 287 a eu lieu hier soir. Et mesdames et messieurs, Israel Adesanya a récupéré sa ceinture de champion. Nous sommes tous très contents de revoir un Africain au sommet, au top du top de l'UFC. Voilà! Les choses sont rentrées dans l'ordre. Le Nigeria récupère sa ceinture de champion du monde. Alex Pereira s'est fait littéralement fracasser, tabasser, fesser le visage. Au lieu de fesser ses fesses, il a fessé son visage. Nous n'avons pas compris alors que Alex Pereira prenait le dessus. Vous avez vu, Israel Adesanya lui a séné un contre dans la tempe. Oh là là, aïe, 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 j'ai eu trop mal pour Alex Pereira. D'ailleurs, nous n'allons pas nous mentir. Tout le monde pensait que Israel Adesanya allait peut-être encore une fois perdre, parce que c'est pas la première fois qu'ils se rencontrent, ces deux-là. C'est des rivaux depuis qu'ils sont bébés. C'est comme chien et chat. D'ailleurs, Israel Adesanya, il est venu avec un collier de chien. Moi, j'ai eu peur. J'ai dit, mais non, qu'est-ce que tu fais avec un collier de chien? Tu vas rentrer sur le ring, tu vas commencer à faire pipi partout, tu vas commencer à faire les waf waf. Mais non, il a mis ce collier en référence au film Danny the Dog. Vous n'avez pas vu ce film? Film qui concentre toute la violence humaine et vous la livre dans un film. Si vous n'avez pas vu ce film, allez le voir et vous allez comprendre à quel point l'humain peut être violent, méchant. Et c'est ça qui a inspiré Israel Adesanya pour fracasser le Brésilien qui faisait beaucoup trop le malin. Il faisait du trash talking. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le trash talking, laissez-moi vous traduire. Trash, ça veut dire poubelle. Talking, ça veut dire parler. Le gars, il parlait en poubelle à l'encontre d'Israël Adesanya. Quand Israël Adesanya faisait une petite vidéo en train de regarder des matchs ou faire des petites réactions par rapport, par exemple, au combat contre Kamaru Usman et Léon Edwards, tu sais ce que Alex Pereira il faisait? Il regardait Israël Adesanya en train de regarder un combat. Et puis il disait, ouais, je vais le frapper, je vais le fracasser. Mais nous, on se demandait, mais attends, qu'est-ce qu'Israël Adesanya a fait à Alex Pereira pour que Alex Pereira déteste autant Israël Adesanya? Mais là, on a vu. Parce qu'il savait qu'il allait se faire monter en l'air, fracasser. Hein? Il s'est fait monter en l'air alors qu'il n'avait même pas pris de billet d'avion. Il s'est fait fracasser au sol. Oh là là, Israël Adesanya n'a fait preuve d'aucune pitié. Il l'a frappé bien comme il faut. Et nous sommes contents. On a tout vu. On a assisté à tout ça de manière succulente. Cette nuit a été absolument magnifique. Et d'ailleurs, je vais continuer à vous parler cette fois-ci de boxe, car mon boxeur préféré, Shakur Stevenson, a encore une fois performé, surclassé. Regardez-moi le combat qu'il a mené face à Yoshino. Hein? Il l'a frappé. Oh là là, on aurait dit un grand qui se bagarre avec un enfant. Tout le monde était là, non mais arrête de le frapper comme ça, c'est pas gentil. Shakur Stevenson, combattant à suivre. Sachez que c'est moi qui vous le dis. Ce combattant-là, il va aller très très loin. On est peut-être en présence de la naissance d'un nouveau Floyd Mayweather. Et c'est moi qui vous le dis. Shakur Stevenson, comment il a frappé le Yoshino là? Oh là là, tout le monde dit non mais c'est normal. Yoshino, parfois il fait chauffeur Uber, parfois il fait nanani nanana, mais vous ne savez pas qui est Yoshino? Vous êtes malade. Il y en a aussi un autre. Bruce Chouchou Carrington. Oh là là, mais lui là, il ne connaît pas la pitié. Il frappe seulement. Tu n'arrives même pas à respirer. Il continue à frapper. Et il y en a encore un. Keyshawn Davis. Ah, lui, il est mauvais. Hein? Parce qu'il te frappe, il se moque de toi. Tu vois comment Léo, il dribble, après il sourit. Mais lui, il te frappe et il rigole. Il fait. Et pas! Et toi, t'es là. Non, mais je croyais qu'on rigolait. Ah ouais. La violence était au rendez-vous. J'ai pu
me délecter de toute cette violence. J'ai pu la goûter. Ah là là, s'il y avait un jus de fruit qui pouvait exister et concentrer toute cette violence, on l'aurait bu avec plaisir.